Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet et août cet été comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en voir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon ça pour l'instant c'est pas encore défini, on verra. Et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée parce que j'ai pas mal de petites idées. J'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème. Enfin voilà, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Enfin voilà, de prendre un peu le temps de rééquilibrer certaines choses. Bon, il y en a déjà sur lesquelles, on va dire, j'ai déjà pas mal avancé où je me suis repris des petites leçons là dernièrement. Mais là, bon, cet été, je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà, c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances. On nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool. D'ailleurs, là, moi, je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eues avant, là, juste à la pleine lune, bon, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui, comme moi, sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps. Là, franchement, il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceur qui se profile un peu plus à l'horizon. Et je vous en souhaite sincèrement de tout cœur. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout le travail que vous avez fourni là dernièrement. Puis en plus, avant d'être en vacances, généralement, on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après. Et comme ça, que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains. Pour ceux qui, comme moi, travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous. J'espère que tout se passera au mieux et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison. Voilà, voilà. Et puis, bah écoutez, là donc, je vais faire juillet et août. Je vais prendre le tarot mythique avec deux cartes pour juillet, début juillet, fin juillet. Ensuite, deux cartes pour août, début août, fin août. Vous aurez également une carte des archanges et des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci. Et puis, vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés, pour lesquelles je remercie ma petite plumette, parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir. Et ces cartes sont absolument magnifiques. Donc voilà, du coup, je vous remets une carte en plus pour cet été. Je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre-temps. Mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps pour moi, à tous les niveaux. Et, enfin, quand je dis pour moi, c'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets. Et puis pour tout le travail que j'ai à faire. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant. Quand j'ai commencé à faire les soins, c'était plutôt de la guérison. Après, c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération. Et là, ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux. Je savais qu'il y a les animaux qui allaient arriver. Et là, ça y est, ça commence aussi. Donc, je n'avais pas spécifié dans les services. Pour moi, ça a tombé sous le sens que les soins, ça pouvait être fait autant à des êtres humains qu'à des animaux. Donc voilà, sachez-le. Et également auprès des enfants. Alors ça avait déjà commencé un peu aussi. J'avais fait déjà du travail avec les fleurs de Bac, ils sont super réceptifs en plus, donc ça avait déjà donné de beaux résultats. Les soins également. Donc voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer. Donc c'est pour ça, là, j'ai envie de prendre le temps, j'ai pas envie de faire les choses à l'arrache, voilà, c'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses. De la même manière, bon, comme là on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo, que j'avais prévu, enfin que j'avais déjà fait en fait des vidéos de présentation avant, mais elle ne me satisfait pas. Enfin, j'avais mêlé les énergies de la pleine lune, donc comme je vous ai fait un truc à part, là je les recommence. Et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt. Donc là, on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous.
Et puis voilà, on repartira comme ça et on finira du coup bah, par les Gémeaux, hein, dans l'ordre. Donc je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, hein, n'aient pas trop en milieu de mois, je l'espère. Maintenant, comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corcieux avec ma chère Lorette Souriante et Marie, voilà, j'ai du travail aussi en plus, ça vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux. Je vous prie de m'en excuser d'avance, et puis ça vous ira quand même, hein, comme là de toute façon ça va balayer quand même jusqu'août, hein, il y aura quand même de quoi faire. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bel été, j'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête et se faire du bien, prendre soin de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime. Voilà, je vous dis au revoir et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Bonjour, bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance pour cet été 2018. Alors, comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai pris le tarot mythique pour avoir deux cartes pour le mois de juillet, donc de début à milieu juillet et de mi-juillet à fin juillet. Même chose ici pour août. Et puis, on aura donc une carte des déesses, une autre des archanges et une autre des rebelles sacrés. Et puis, je pensais le faire un peu plus tard, mais finalement, j'ai mes guides qui m'ont demandé aussi. Je vous donnerai également des essences de fleurs de Bac, comme ceci. Hein, je vous les montre juste vite fait, je vous la donnerai à la fin, pour vous accompagner aussi cet été. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai une petite vidéo là que je mettrai après, comme ça, vous pourrez aller regarder ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Et puis, comme d'habitude, ces guidances restent générales. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires. Vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à la dame libérienne tout attaché sans accent @gmail.com. J'ai mis des liens aussi si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Et puis, vous trouverez également un lien pour une petite cagnotte que j'ai mise en place si vous voulez faire un don, même si c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, pour le travail qui est fait. Vous ferez comme bon vous semble. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec la première quinzaine de juillet et vous avez, yes, la reine de bâtons. Elle est magnifique. Voyez comme elle est flamboyante. Alors, les bâtons, on est plutôt au niveau professionnel et matériel, plutôt des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Hein, c'est vraiment l'inverse de votre élément. Hein. Vous, c'est plutôt l'eau. Donc là, on est plutôt à l'opposé, donc ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme ou si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré, ou ça peut être une femme extérieure à vous. Ça peut être quelqu'un comme ça qui peut vous donner envie de lui ressembler, ou ça peut être également les énergies du moment, c'est-à-dire que vous avez envie de devenir cette femme ou que vous avez besoin d'être comme cette femme-là pour commencer cet été. Donc la reine de bâton. Vous voyez, elle est bien dans une robe safran, alors plutôt orange, il y a beaucoup d'orange et de jaune, donc plutôt plexus solaire et chakra sacré. Le ciel derrière est vraiment bleu, il y a de la lumière comme ça qui se lève, donc hein, c'est pas un mois qui va être ombrageux, stressant, enfin un mois. Ça va pas être une première quinzaine en tout cas ombrageuse, stressante. Plutôt dans la détermination et la confiance en soi. D'ailleurs, vous voyez, elle a une lionne à ses pieds. Le totem du lion, c'est vraiment le leadership et la confiance en soi. Hein. C'est vraiment le plexus solaire. Je vous mettrai un lien pour cet animal totem, comme pour tout, hein, comme d'habitude. Et puis le lion, on le retrouve également là sur les deux bords de son trône. Hein. Vous voyez, elle est installée. Elle est stable, déterminée, avec un grand bâton de feu allumé qui représente la créativité. Elle a quelque chose d'assez yang comme ça, cette femme. Elle est vivifiante, elle est stable, elle est loyale, elle est plutôt attirante. Elle réchauffe même. Pour la petite histoire, à la base, son père voulait un fils. Donc il a essayé de s'en débarrasser quand il s'est rendu compte qu'il avait eu une fille et elle a été sauvée et élevée par des flamants roses. Donc là aussi je vous mettrai un lien pour cet animal totem qui est un symbole d'équilibre, de prise de recul, de hauteur, qui signifie aussi souvent qu'on peut être dans une période de transition et qui fait ressortir pas mal aussi la marginalité que chacun peut avoir. Donc voilà, vous regarderez si vous voulez un peu plus de détails.
Et pour la dernière petite parenthèse, les flamants roses en latin, c'est Phoenicopterus roseus. Hein, donc on revient ici au phénix. Vous connaissez déjà le principe, je pense, à force de vous l'énoncer. Et puis pour en revenir à son père, quand il comprit et réalisa qu'elle avait un destin exceptionnel, il regretta son geste. Et puis comme pour vous, dans la guidance des énergies de la pleine lune, il y avait la carte père, mari, fils, etc. Bon, bah pour ceux qui se demandaient encore à propos de qui c'était, là pour la peine, ça pourrait peut-être être le père, puisque ça revient. En attendant, Pénélope ici, elle représente aussi la fidélité, hein, parce qu'elle a quand même attendu Ulysse pendant 10 ans, et ça, malgré le temps, toutes les courtoisies qu'on a essayé de lui faire, elle a toujours su quelque part qu'il reviendrait, c'est-à-dire qu'elle s'est écoutée, elle a gardé la foi. Elle est restée sur son sentiment vraiment intérieur. Et puis, bah, au final, elle a bien eu raison parce qu'il est revenu. Donc, elle représente comme ça la loyauté du cœur, la force de l'imagination qui tend vers un but choisi par le cœur. Hein, ici, on a quelque part, ça peut représenter un peu la working girl. En tout cas, c'est une femme qui est vraiment déterminée à parvenir à ses projets, à mettre en place peut-être ses passions, à réanimer peut-être aussi un petit peu de créativité. Enfin, ici, en tout cas, on parle un peu plus d'action, parce qu'elle est vraiment travailleuse, elle est volontaire, en plus, elle est talentueuse. Donc, pour ceux qui avaient justement peut-être le plexus un petit peu trop, on va dire, recroquevillé, là, on vient vous rappeler que vous avez beaucoup plus de capacités que vous ne le pensez, hein, les cancers. Que vous pouvez être quelque part, être cette femme de bâton, hein, même si c'est, comme je vous le disais, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça. Si cette personne est là, c'est pas pour rien, c'est pour vous amener à développer certaines de ses qualités en vous. En plus, elle puise vraiment sa force et son énergie en elle-même. Il y a un côté un petit peu indépendant, hein, comme ça, qui ressort. Elle peut avoir également du caractère. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de qualités quand même pour cette femme. Donc franchement, vous commencez plutôt bien le mois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de détermination et d'envie. Et je vous souhaite vraiment tout cœur que toute cette belle énergie qui est là, voilà, dès le début du mois de juillet avec la reine de bâton, tout ce que vous avez envie de mettre en place, tout ce qui vibre vraiment avec vous, avec votre âme, puisse se mettre en place comme vous le souhaitez. Et puis, comme je vous le disais, vous pouvez vraiment la prendre comme modèle, un petit peu comme un phare, vous voyez, un chemin de lumière comme ça à suivre. On va voir pour la deuxième quinzaine maintenant de juillet. Et yes, et bien écoutez, là, on a le 6 de bâton. Ah, il ne veut pas faire le focus, si ça y est. Voilà, bon, bah magnifique le 6 de bâton. Bon, on reste quand même au niveau donc professionnel et matériel, hein, toujours dans les bâtons, toujours une énergie de feu. Donc, si vous êtes un homme ou que vous vous reconnaissez dans un homme, ça peut vous représenter vous. Ou ça peut être, comme d'habitude, un homme extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. C'est-à-dire que là, bon, la reine de bâton, la première quinzaine était bien déterminée. Vous avez peut-être justement fait ce qu'il faut pour arriver à asseoir une certaine stabilité, à faire vraiment le travail qui était nécessaire pour en arriver à réussir. Peut-être une certaine renommée aussi, quelque part, à vous faire connaître. Donc, ça sera peut-être ça, en fait, ici, la renommée, en fait, qui viendra de tous les efforts, enfin, de tout le travail que vous avez fourni avant. Parce que là, le 6 de bâton, c'est Jason qui est victorieux. Vous voyez, il porte la toison d'or. Derrière lui, il y a plein de gens avec des bâtons et des flammes qui sont là. Donc, il y a du soutien également pour vous qui est là, ou une certaine forme d'approbation. En tout cas, il y a bien un triomphe qui est là, une certaine reconnaissance aussi des autres. Hein, donc, ça peut être un succès public de ses pairs. Ça peut être également une promotion, quelque chose que vous désiriez donc sur le plan professionnel ou matériel qui voit le jour, qui se manifeste. Ou ça peut être également une récompense. Donc là, ici, on vient vous féliciter avec cette carte. Alors, prenez bien le temps d'en profiter aussi, hein, de célébrer ça justement avec les gens qui sont autour de vous. Vous l'avez mérité. Maintenant, sachez que c'est pas que ce n'est pas une victoire définitive, c'est que c'est une victoire un peu comme vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le 6 de bâton, ça reste encore un moment de transition. Hein. Donc, il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup de créativité encore à ce moment-là.
Et ça peut susciter également, du coup, de l'envie de la part de certains, voire un certain esprit de compétition également. Donc, détachez-vous de l'extérieur, hein, s'il est négatif. Vous ne laissez pas plomber par ça. Retenez le positif. Retenez justement peut-être plutôt plus les compliments qu'on va vous faire ou voilà, les petits succès, ces petites joies. Donc là, pour moi, vous avez plutôt un beau mois de juillet. Hein. Ça fait vraiment plaisir de voir que bah, voilà, ce que vous voulez, bah, vous arrivez à l'obtenir dans la deuxième quinzaine. Bon, après, ça peut être un homme ici que vous rencontrez ou qui est dans cette phase-là, si vous êtes avec un homme, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, par exemple. Mais moi, j'y vois plus pour vous une réussite par rapport à ce que vous voulez faire. Parce que là, on n'est pas vraiment dans le domaine. Hein. Là, vous êtes plutôt, on va dire, avec votre entourage proche, vos amis. Bon, après, si vous êtes déjà en couple, voilà, y a pas grand-chose à craindre. Là, on peut vous représenter tous les deux, par exemple. Donc, on va continuer maintenant avec votre première quinzaine d'août. Et nous avons... 7 bâtons, ah ben ça suit, on continue toujours dans les bâtons. Bon, alors on ne prend pas peur, vous voyez cette carte, elle fait un peu plus sombre, on voit pas mal d'hommes là qui sont en train de se battre. Alors, c'est la carte de la lutte, mais c'est une lutte pour laquelle vous êtes prêt. Ça peut être une lutte intérieure, ça peut être une lutte également... Alors là, si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai qu'il y avait déjà l'idée de compétition là, qui venait un petit peu avant, en tout cas, ce sera d'égal à égal, hein, avec un adversaire quelque part à votre taille. Ça peut être également des gens devant lesquels vous devrez peut-être défendre vos idées. Alors faites attention hein, par rapport aux idées, à ne pas vous les faire piquer non plus, ni à vos biens. Ça peut être une lutte intérieure hein, entre le yin et le yang, le masculin et le féminin. Bon, là, on est quand même plutôt dans le masculin, hein, toujours. Justement, comme il y en est déjà pas mal, il y aura peut-être aussi un petit peu de féminin quelque part à remettre là-dedans hein, pour avoir quelque chose, on va dire, un peu plus d'équilibré. Parce que là, quand je vois le jeu pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui vont prendre de vacances. Et à un moment, ça reste nécessaire, hein, même s'il y a toujours des efforts à fournir. C'est pour ça que derrière, vous voyez, on était au 6, on reprend au 7. Et puis justement, cette carte, elle exprime aussi la jalousie, la convoitise, l'envie justement bah, que notre réussite a peut-être pu susciter à certains. Donc voilà, on vous met un petit peu en garde contre ça. Hein, c'est un petit peu la rançon de la gloire. Alors pour certains, hein, pas forcément pour tout le monde. Mais cette carte, quand on la voit vraiment de manière positive, parce que pour moi, elle est pas, honnêtement, elle est pas, je la vois pas de manière négative. C'est-à-dire que s'il y a une lutte, c'est qu'on va vous donner quelque part un obstacle, une épreuve à surmonter à nouveau. Hein. Une fois que vous avez eu celle-là, bah, hop, on est reparti, on va dire, on recommence. Mais pour vous dépasser, pour vous stimuler. Donc, quand on parlait déjà qu'il y avait pas mal d'idées qui allaient bouillonner un petit peu avant, bah, là, première quinzaine d'août, vous allez peut-être en avoir aussi pas mal comme ça qui vont se battre, entre guillemets, dans votre tête. Donc, prenez bien le temps de respirer, de méditer, de vous recentrer, de vous ancrer. Là, on reste aussi pas mal au niveau du chakra sacré hein, aussi. Je vous dis, il y a quand même pas mal d'oranges pour pouvoir pas vous disperser trop hein, non plus. Donc, certains vont peut-être voir comme ça leur confiance en eux aussi mise à l'épreuve, c'est-à-dire jusqu'où êtes-vous prêt à vous battre pour vous-même, pour votre projet, pour votre relation. Là, au niveau sentimental, on pouvait dire qu'ici, c'était un couple. Peut-être que si vous êtes célibataire, ça peut être, par exemple, plusieurs prétendants qui se battent, on va dire, pour vos beaux yeux. Ça peut être des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites ou qui ne comprennent pas que vous ayez envie de vous lancer dans telle ou telle chose, à qui vous devrez peut-être expliquer pourquoi vous faites telle ou telle chose. Alors, faites bien attention de ne pas perdre d'énergie. Hein. Il y a des gens, quoi que vous leur dites, de toute façon... On va dire que c'est pas qu'ils en ont rien à faire, mais ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que voyez quel combat mérite d'être mené. Peut-être que ça sert à rien de perdre de l'énergie avec certaines personnes ou à essayer de vouloir prouver telle ou telle chose. Ce qui est important, c'est qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Continuez à le prouver, vous le faites déjà. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ni que vous ne gagnez pas la bataille non plus. Hein. Mais perdez pas votre salive ni votre énergie inutilement. Vous en avez besoin apparemment de votre énergie, donc gardez-la bien.
Et puis détachez-vous, hein. Donc vous ne laissez pas happer ou distraire par ça. Battez-vous pour vous et continuez à travailler pour faire aboutir ce que vous voulez voir naître. Défendez vos idées, vos projets, vos valeurs, vos croyances. Et de cette façon, ça vous permettra vraiment d'avoir plus confiance en vous, parce que du coup, ça va vous permettre de faire ressortir vos qualités combatives. Donc, du coup, comme on parlait justement du plexus solaire, de la confiance en soi, etc., en fait, on va dire, c'est pas un mal pour un bien, dans le sens où, enfin, moi, je le vois pas négativement, puisque c'est vraiment la continuité, mais justement pour vous dépasser. Et puis pour vous rendre compte que bah en fait, vous avez beaucoup plus de force que ce que vous pouvez peut-être croire à certains moments, tout simplement. Et puis sachez que ça marche mieux quand on se bat pour quelque chose que contre quelque chose. Hein? Contre quelque chose, c'est vraiment nourrir quelque chose de négatif, lui accorder de l'importance. C'est être aussi quelque part dans la peur. Alors que là, on vous dit vraiment d'avoir confiance, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Pensez à être zen. Hein? Prenez bien le temps de vous reposer, hein. Il y a peut-être aussi beaucoup de lutte avec, quand je parlais intérieurement, entre ce que vous avez envie de faire, vos besoins, votre entourage, ce qui se présente à vous, les petites situations, les petits défis, les petits retards, contrariétés, j'en sais rien. À mettre un peu d'équilibre aussi là-dedans, hein, parce que c'est bien de travailler, mais il ne faut pas vous tuer à la tâche, hein. Vous serez beaucoup plus efficace. Si vous allez bien, donc peut-être qu'il y en a certains qui vont être un petit peu tiraillés comme ça. Alors pour certains, c'est à défendre mon territoire qui me vient, d'autres c'est peut-être leur place, hein. Peut-être que c'est peut-être leur poste, d'autres, comme je le disais, sera peut-être tout simplement vos valeurs. Mais prenez temps un petit peu de vous reposer, hein, de ne pas être que dans le feu, de revenir peut-être aussi à l'élément eau, à revenir, à profiter un petit peu, on va dire, de cet été. Que le soleil se couche plus tard, par exemple, de vous accorder quand même quelques petits moments de break pour pouvoir continuer à avancer et à mettre en place ce que vous voulez sans sombrer doucement mais sûrement vers un burn-out, hein. Sachez doser et puis n'oubliez pas de bien garder votre sang-froid, de travailler sur le détachement pour pas vous laisser happer justement par ce qui pourrait venir de l'extérieur pour pouvoir justement remporter votre bataille. Et puis laissez la médisance de côté, hein, ça peut être de la médisance du coup de certains collègues, hein, puisqu'on reste dans les bâtons, mais laissez ça de côté, vous laissez pas votre lumière entachée par ça, hein. Vous valez mieux que ça, franchement, les cancers. Donc on va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine d'août. Alors nous avons, on va décidément reste dans les bâtons, nous avons le 2 de bâton. Alors là, on pourrait dire qu'il y a comme une petite régression, en tout cas ça ralentit. Peut-être que justement, vous avez décidé de vous recentrer un petit peu plus sur vous plutôt que de vous laisser disperser là comme la première quinzaine. Et puis, vous voyez, il y a toujours voilà, quelqu'un qui est derrière là dans la grotte. Donc, parce que ça peut représenter donc, ici votre partie lumineuse, ici votre partie ombre. Peut-être que ça peut représenter justement, vous voyez, cette période-là qui était dans la grotte. Puis il en ressort avec ses deux lances, hein. Il ne s'est pas laissé justement aspirer par ça. Donc je l'ai pas redit pour la carte d'avant parce qu'il y avait plusieurs personnages, mais bon, on reste toujours quand même ici, vous voyez, avec Jason, hein. Donc ça peut représenter toujours la même personne en fonction de qui vous voyez ici. Donc, pour moi ici, ça reste quand même bien cohérent parce que donc ici, c'est ce que vous voulez faire, hein, grossièrement, l'énergie que vous avez pour, les efforts que vous allez mettre en place. Ici, ce que vous avez fait, bah, ça va commencer à payer. Hein, il y a une première petite victoire qui se fait, qui du coup va peut-être susciter un petit peu de jalousie, de remous de la part de l'extérieur. Puis du coup, hop, on repart à l'attaque, on est prêt, on est déterminé et on continue un petit peu comme pour la phase suivante, en fait, celle qui suit justement le 6 de bâton, une fois qu'on a éteint un petit peu, on va dire, le feu ou les petits remous intérieurs qu'on a pu avoir pour la première quinzaine d'août. Parce qu'ici, avec cette carte, on vient parler de nouvelles cibles, de nouveaux buts, idées, de projets, qui ne sont pas forcément encore un but final non plus comme le 6 de bâton, mais une étape, comme je le disais, qui est nécessaire en tout cas pour arriver à ce qu'on veut. Là, on revient sur le fait de faire jaillir la lumière de l'ombre. Donc, vous voyez ici, c'est pour ça que
Enfin, voilà, moi, je ne voyais pas ça comme quelque chose de négatif. Je pense qu'ici, on va dire, ces petits remous sont vraiment là pour faire ressortir ce qu'il y a de mieux pour que justement on puisse continuer sur notre lancée vers notre projet pour arriver peut-être aussi à démêler un petit peu tout ça, hein. On a une notion de pas à pas. Comme je vous disais tout à l'heure, de peut-être pas vouloir trop en faire ou de trop y aller ou d'essayer de passer des choses en force, mais de prendre chaque chose l'une après l'autre pour justement faire les choses au mieux, hein. Des fois, à vouloir trop en faire, au final, on fait que s'accabler davantage et on finit par s'épuiser. Donc on vous rappelle aussi ici à nouveau qu'il y a des idées, qu'il faut faire attention à la dispersion. Donc là, vraiment, par rapport à ce qui s'est passé avant, on sent que bah, vous en voulez plus que ce que vous aviez, hein. C'est-à-dire que ça, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez. Après, il faut s'en féliciter hein, quand même. Et puis du coup, voilà, cette petite bataille, pour moi, elle va être gagnée puisque vous repartez encore plus déterminé. Peut-être que ça vous a permis aussi de revoir certaines croyances, d'avoir une autre vision, d'autres aspects aussi dessus ou sur votre manière de vous organiser par rapport à vos projets, par rapport à vos travails, et de vous dire, bon, et là, ça y est, j'arrête de lutter. De perdre de l'énergie là-dedans, ça ne sert à rien. Vous vous êtes recentré, vous êtes repris en main et hop, vous repartez. En tout cas, vous avez l'air de bien passer au-dessus de vos peurs. La passion brûle toujours, voire même à nouveau, hein, si jamais ici elle brûlait un petit peu moins, ou que vous aviez peut-être une période de doute. Là, vous voyez, il est quand même bien sur ces deux bâtons. Là, on sent qu'il y a davantage d'équilibre. Je pense que ça a servi vraiment à ça, là, ce passage-là. Et puis si vous avez bien travaillé justement sur votre plexus solaire et sur votre chakra sacré, vous devriez avoir justement tout le courage nécessaire pour arriver au bout en vous rappelant de bien écouter votre guidance intérieure. Donc là, le bâton, pour moi, c'est vraiment un encouragement. Et puis, on va dire, une autre sorte de petite félicitation pour vous dire que vous avez réussi à faire le tri. Peut-être que justement, il y avait des gens autour de vous qui n'avaient plus lieu d'être et qui vous empêchaient d'avancer comme vous le vouliez. Et puis bon, comme vous savez que l'extérieur est le reflet de l'intérieur, hein, c'est peut-être vous aussi justement qui vous imposez peut-être un peu trop de donner du temps ou de l'énergie à certaines personnes. Alors je ne veux pas dire qu'ils n'en valent pas la peine, mais en tout cas qu'ils ne vous servent pas par rapport à vos projets, à vos énergies, à ce que vous voulez faire vraiment pour avancer. Donc lâchez rien, ça va être un mois productif, ça va être un mois enflammé. Peut-être aussi ici que bah, pour ceux qui avaient plusieurs prétendants, bah, vous avez peut-être réussi aussi à choisir justement, à quitter ce qui ne vous convenait plus pour aller vers ce que vous voulez. Aussi pour certains, hein, pour ceux qui sont en couple, à remettre de l'ordre hein, peut-être aussi. Là, ça peut être une, on va dire, il y a peut-être un risque de prise de tête. Alors ça peut être par rapport au travail. Peut-être que vous travaillez trop, peut-être que l'autre travaille trop, qu'il n'y a pas assez de place, ou que l'autre personne ne comprend pas pourquoi vous voulez faire telle ou telle chose. Ça peut être pour moi plutôt des choses comme ça. Mais bon, là, il n'y a rien franchement de dramatique, hein. Vous voyez, là, ça revient, on va dire, en équilibre. Donc, il n'y a pas de souci. Puis j'ai regardé aussi à la fin du paquet. Et en fin de paquet, on a le 6 de denier. Vous voyez là comme ça, il y a un personnage qui est à ses pieds, Dédale qui est revenu, qui a pas mal de petites pièces et puis qui justement va se montrer généreux. Donc question équilibre, voyez que l'harmonie va revenir. Et pour certains qui avaient peut-être des difficultés, on va dire un peu plus financières, ça va revenir également. Alors n'oubliez pas de toujours rester généreux, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est pas forcément qu'en donnant de l'argent. On peut se montrer généreux, hein. Mais il faut pas bloquer les énergies, il faut que les choses circulent tout le temps. Et c'est ce qu'on vient vous dire, voyez, avec la suite, de ne pas rester paralysé. Si vous voulez justement devenir cette belle reine de denier qui pour moi représente vraiment la reine de l'abondance, hein. Peut-être quelque chose à travailler aussi par rapport à ça. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. Il faut que les choses soient justes. C'est bien de vouloir aider les autres, mais si c'est toujours à son détriment, ça ne vous aidera pas. Et puis ça n'aidera pas aussi bien les autres non plus que vous le pensez. De la même manière, quand on est des fois trop là pour certaines personnes, on ne les aide pas parce qu'il y a comme un facteur de,
comment dire, de dépendance hein, qui peut se créer et qui peut faire que bah, les personnes, avant de se poser des questions, elles vont vous appeler. Et du coup, ça les décharge de leurs responsabilités. Et c'est important que chacun puisse garder les siennes. Donc gardez bien la foi, hein, parce que si vous maintenez vraiment le cap, vous serez vraiment récompensé par des coups de chance, par la générosité peut-être de personnes, que vous connaissez ou non, ou de soutien sous une forme ou sous une autre, hein, comme on a pu le voir avec le 6 de denier. Donc vraiment, croyez en vous, en vos capacités et en l'univers, et franchement, ça devrait le faire. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que justement, je vais vous montrer là la carte qu'on a eue avec l'oracle des déesses. On a eu Yemania, occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Donc c'est vraiment le moment d'y aller, hein, de ne pas tergiverser. Alors il y a le dauphin ici aussi comme animal totem qui lui représente le souffle de vie, la joie de vivre. Vous voyez quand je vous disais ici on est plutôt dans le feu, là on revient dans l'eau. Donc n'oubliez pas cet élément pour y revenir, n'oubliez pas de vous prendre du temps pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à votre enfant intérieur, pour pouvoir justement avoir votre équilibre. Et sachez saisir justement les occasions qui vont venir à vous. Parce qu'il va y en avoir. Peut-être ça aussi avec le 7 de bâton. Hein. Comme justement vous avez franchi une étape avec le 6 et que vous allez vers une autre, forcément, si vous gardez le cap sur votre chemin, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Donc là, avec cette carte, on vous invite vraiment à plonger sans attendre, à pas rater le coche. Bon, après, sachez que si c'est le cas, vous inquiétez pas, il y aura toujours une autre occasion qui se présentera à vous, mais qui se présentera plus tard. C'est ce qu'on vient ici vous dire aussi avec la mer, c'est vous rappeler le mouvement perpétuel des choses, le côté cyclique. Si quelque chose est fait pour vous, bon, bah, si vous ne le réalisez pas à ce moment-là et que vous dites non, on va dire, ben, le cycle va se poursuivre et puis hop, il y a une nouvelle vague qui va se présenter à ce moment-là, vous pourrez peut-être dire oui. Alors, on vous propose effectivement de saisir les occasions, maintenant, n'y allez pas. Bêtement, j'ai envie de dire, hein. Gardez quand même bien les yeux ouverts, sachez faire preuve de discernement. Mais voilà, si vous le sentez, si ce qu'on vous propose vous fait du bien ou vous rend bien à l'idée de le faire, même si vous n'avez peut-être pas, on va dire, enfin, tous les tenants et aboutissants, là apparemment, on va quand même vous faire des propositions qui vont être bonnes pour vous. Donc gardez bien l'œil ouvert. Et sachez apprécier les différentes expériences qu'on va vous proposer justement pour vous aider à balayer vos doutes. Alors Yemana, elle propose un petit rituel comme ça. Si vous voulez émettre un vœu, vous pouvez faire un petit bateau et puis vous allez le mettre dans l'eau, à la mer, sur un étang où vous pouvez. Si jamais ce petit bateau est englouti par l'eau, votre vœu se réalisera. Si jamais il revient sur le bord, voilà, par contre, c'est que ce n'est pas encore le moment. Il faudra le refaire plus tard. Donc, n'oubliez pas de vous détendre. Hein. Je pense que c'est ce que cette carte vient vous dire ici. Puis, je vais vous donner aussi d'autres significations. Donc là, on vient vous dire pour certains, n'hésitez pas. Pour d'autres, c'est la bonne chose à faire. Vos prières ont été exaucées. Soyez prêts pour un changement majeur et heureux. Célébrez vos réussites. Hein. C'est ce qu'on vous disait là avec le 6 de bâton. Sachez que vous possédez toutes les qualifications requises et que vous êtes prêt pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Bon ben voilà, s'il y en a certains qui avaient encore des doutes, je pense que là, on est en train de vous dire gentiment de les lever, hein. Il n'y a pas photo quand même. Donc on va voir maintenant la carte que vous avez eue avec l'oracle des archanges. Vous avez eu Claire Connaissance, l'archange Uriel. Soyez attentif aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Bah, décidément, on vous dit quand même que tout a de bonnes chances d'aboutir, hein, que vos vœux sont exaucés, on vous le disait déjà ici. Alors, je suis en train de me dire, c'est marrant. Bon, là, ça fait un petit peu comme une montagne. Là, on a l'impression qu'on est monté d'un palier, hein, c'est un peu comme si on était un peu plus dans l'altitude. Bon, là, il y a le côté, on va dire, un peu plus grotte, mais donc dans une montagne. Et là, on en est sorti. On pourrait penser que, vous voyez, là, on arrive quand même au sommet. Hein? Donc, franchement, pour moi, c'est bien parti pour vous. Tenez bon, gardez confiance. Ça devrait vraiment le faire. Hein? Ça fait 2 fois qu'on vous dit que vos prières et vos vœux sont exaucés. Vous avez du triomphe, une lutte qui a l'air d'être
bien menée, en tout cas, de laquelle vous ressortirez vainqueur, donc c'est quand même plutôt bon. Et quand je vous disais aussi que vous avez beaucoup plus de capacités que vous n'en avez, ici, on vient vous le redire également avec cette carte. Hein, quand on parlait d'idées, hein, faites bien attention à la dispersion quand on disait, notez-les aussi, hein, parce que des fois, on croit qu'on va s'en souvenir et puis elles nous échappent. En tout cas, sachez que quand vous posez des questions, l'univers peut vous répondre justement par des idées ou des pensées répétitives. Hein. Vous pouvez avoir ça également avec des synchronicités, hein, n'oubliez pas la règle de 3, pour vous inciter justement à faire les changements, les démarches qui seront nécessaires et qui seront surtout beaucoup plus sains pour vous. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de vos pensées ou les idées qui peuvent venir. D'autant que vous êtes cancer, donc vous avez quand même une très bonne intuition, hein, vous êtes quand même bien connecté, et faites confiance à votre sagesse intérieure et à la connaissance divine à laquelle on est tous reliés. Hein. Même si vous n'avez pas fait, par exemple, une formation pour ceci ou pour cela, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas faire les choses. Je pense, par exemple, au fait que en France, dans notre société, en tout cas, si on n'a pas tel diplôme ou tel truc, c'est pas reconnu. Alors que quand vous allez par exemple aux États-Unis, qu'on vous demande surtout c'est de faire vos preuves, même si vous n'avez pas les diplômes machin ou bidule, ça, voilà, du moment où vous faites bien votre travail, c'est tout ce qui compte. Donc revoir aussi peut-être aussi un peu ses croyances par rapport à ça. Alors l'archange Uriel, lui, il est plutôt relié à la citrine. Alors là, je ne l'ai toujours pas sous la main, donc je ne peux pas vous la montrer, mais c'est une petite pierre jaune, on va dire un peu translucide, toujours reliée au plexus solaire, hein, décidément. Ça a l'air d'être la saison pour. Et puis ça m'a fait rigoler, parce que quand j'ai procédé à votre tirage, j'ai éternué 3 fois, et je suis tombée sur l'heure 23h23, donc... Là, du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et je ne sais pas si j'arriverai à vous le placer dans la vidéo, mais c'est Ayael, c'est un ange féminin en fait qui a un oiseau et qui représente la bravoure et la sérénité. Elle a une épée également et un bouclier. Alors l'épée, c'est l'épée du discernement et le bouclier, c'est le bouclier avec le cœur, c'est-à-dire que on revient ici, comme pour le 7 de bâton, sur l'idée de défendre son identité spirituelle, de développer sa vaillance et de défendre ses idéaux. On vous donne en fait les armes divines justement pour mener votre combat, donc n'hésitez pas à faire appel à cet ange qui vous concédera en plus le triomphe en vous délivrant de la persécution et en vous aidant à identifier les gens qui pourraient être potentiellement dangereux ou négatifs pour vous. Donc, vous voyez, hein, il n'y a jamais de hasard, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous mettrai peut-être aussi un lien pour vous mettre un petit peu plus de détails. Et puis, donc, dans 23h33, il y a 333, donc les maîtres ascensionnés, la Trinité, hein, l'âme, corps, l'esprit. Trouver un équilibre aussi par rapport à ça, et ça se raccroche à nouveau à l'archange Uriel, comme par hasard. Donc, comme je vous le disais, relié au troisième chakra, au plexus solaire. Donc, je vais voir aussi si je ne peux pas vous mettre un lien pour une petite méditation à ce sujet. En tout cas, Uriel, ça veut dire la lumière de Dieu qui éclaire les esprits et qui s'est donné de l'inspiration. Donc, je pense que, vu toutes les idées qui vont fuser, ça ne va pas être du luxe. Et je pense vraiment qu'il va pouvoir vous aider à arriver justement comme ça au sommet de la montagne, à arriver au bout de votre projet ou de l'autre étape en tout cas dans votre projet vers laquelle vous tendez plutôt au mois d'août. Oui, pareil, tant que j'y repense, tiens d'ailleurs, le dauphin est associé à la télépathie. Donc c'est peut-être aussi un don que vous avez ou qui doit être travaillé aussi peut-être pour certains. Voilà, je vous le dis tant que j'y repense. Maintenant, je vais vous montrer enfin la dernière carte issue de l'oracle des rebelles sacrés. Et vous avez vu la numéro 8, une belle chouette. Soyez le chasseur et pas le chassé. Alors, la chouette, c'est un beau totem aussi. Pareil, je vous mettrai un lien qui représente la sagesse intérieure, mais également la clairvoyance. Donc, quand on vous parlait aussi là de discernement avec l'ange et de bien garder également les yeux ouverts, bah, ça se corrobore encore une fois de plus, hein. Donc il y en a peut-être aussi justement qui vont avoir des messages, en tout cas
Prenez bien le temps, je pense, moi, de méditer, de vous détendre et de revenir vraiment à votre sagesse intérieure parce que vous savez déjà ce qui est bon pour vous et votre âme, elle saura quelles occasions il faudra saisir, quelles personnes il faudra peut-être éviter, quelle étape, quelle démarche il faudra faire pour avancer dans votre projet. Donc faites bien attention aux messages, aux synchronicités. Cette carte, elle vient également pour insister, par exemple, pour ceux qui ont l'impression, ou qui auront l'impression en tout cas pendant cet été, d'avoir du mal d'avancer sur leur chemin aussi librement qu'ils voudraient. C'est-à-dire que vous avez peut-être des gens qui retiennent un peu trop de votre temps, des petites contrariétés, enfin, voilà, comme on disait avec le 7 de bâton. Peut-être aussi que justement, c'est peut-être pas assez équilibré entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être comme ça qui peuvent se sentir un peu retenus ou empêchés, que ce soit par des circonstances, des situations, des personnes. Donc il y aura peut-être ça un petit peu à revoir hein, pour arriver justement à la fin du mois d'août aux 2 de bâton à davantage d'équilibre. Et comme je vous l'avais déjà évoqué tout à l'heure, on revient également sur les personnes qui, par exemple, sont là un peu trop en soutien pour les autres et qui, du coup, se négligent, s'oublient. Soutenez-vous aussi, et j'ai envie de vous dire, soutenez-vous d'abord, hein, parce que si vous ne vous soutenez pas, c'est comme si vous ignorez votre chemin. Alors, il y en a certains, ça peut être par culpabilité, d'autres, ça peut être parce que ben, si on est honnête avec soi-même, ben, on fait passer les besoins des autres avant les siens. Donc, c'est qu'on pense quelque part qu'on vaut moins, ou moins bien, ou en tout cas qu'on en vaut moins la peine, puisque les autres sont plus importants. D'où forcément toujours l'histoire du plexus solaire. Et puis, quand il arrive certaines choses aux autres, ben, c'est normal, hein, quelque part, de se sentir désolé, on va dire, ou en tout cas peiné pour les gens, mais vous n'en êtes pas forcément responsable, hein. Donc, vous prenez pas non plus toute la misère du monde sur le dos, ça ne servira à rien si ce n'est qu'à vous en rajouter inutilement. Or là, on vous demande plutôt quand même de faire du tri, de rester focalisé sur vos projets, sur vos envies, sur vos passions, et d'y consacrer davantage de temps. Donc, sachez voir la vérité, hein, c'est-à-dire les choses comme elles sont, vraiment, et de vous rendre compte de ce qui est juste réellement pour vous ou non. Parce que là, le but, c'est de rentrer quand même dans une nouvelle phase d'autonomie, et ça, quoi qu'il arrive, hein, même si vous avez des petits tracas, pour pouvoir arriver à l'amour vraiment de soi et à la liberté. Donc, délivrez-vous un petit peu, j'ai envie de dire. Là, certains qui s'en sont peut-être un peu trop mis, donc n'oubliez pas là de revenir un petit peu dans le bleu, hein, de vous amuser, de revenir à un peu de joie. L'eau, ça nettoie, ça épure, ça détend également. Donc, n'oubliez pas vraiment d'équilibrer tout ça. Hein. La chouette, elle est associée aussi à la déesse Athéna, hein, qui est représentée généralement dans le tarot mythique par la justice. Alors, pour moi, ici, pas dans le sens. Parce qu'on n'a pas tiré la justice, donc pour moi, on n'est pas trop on va dire, dans les problèmes juridiques. Que dans la clairvoyance, hein, il y en a peut-être pour qui d'ailleurs ce don-là va s'ouvrir. En tout cas, on vous demande aussi de travailler au niveau de troisième œil pour bien voir les choses et puis également de vous montrer un peu plus rusé que vos anciens schémas. C'est-à-dire que peut-être que avant, on va dire cet été, il y a encore des choses justement, comme je vous disais ici, qui vous retenaient ou c'est plutôt une lutte intérieure parce que vous avez tendance à. Il y a des moments, on va dire, hop, ça y est, vous arrivez à faire certaines choses, vous dites, bah, c'est bon, ça y est, j'ai compris, j'ai tout bien mis en place. Puis finalement, les vieilles habitudes ont la vie dure, j'ai envie de dire. Et là, on vous dit que vous êtes capable, hein, déjà depuis le début, et là, on vous dit que vous êtes rusé, que vous avez justement l'intelligence, hein, qui est aussi symbolisée par le dauphin. De pouvoir justement changer ces situations de manière plus créative. Et ça tombe bien parce que justement, bah, tout cet été, apparemment, vous allez avoir beaucoup d'idées. Donc, profitez-en et surtout essayez de les mettre en place. Hein, les idées, c'est joli, mais ce n'est pas ça qui vous fera monter jusqu'au haut de la montagne si ça reste sur papier. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, avec l'oracle des rebelles sacrés, il y a toujours un processus de guérison qui est donné. C'est pas que je veux pas vous le donner en entier, mais ça serait encore trop long sur la vidéo. Par contre, je vais vous donner les phrases qui sont données
dont vous pouvez vous servir plutôt comme des affirmations positives. Hein, pour les dire par exemple pendant 21 jours, travailler avec ou méditer avec également pour vous aider pendant cet été. Donc, vous pouvez dire, je suis prêt à sentir la vérité qui se trouve dans toutes les situations de la vie qui aide mon réveil créatif et ma croissance spirituelle. J'ai confiance et je me consacre à moi-même et à mon chemin, sans peur et sans me freiner. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Et puis si jamais bah, vous avez justement des petits tracas ou des petites choses comme ça, des petits défis qui arrivent dans votre vie, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'affirmation suivante. L'amour inconditionnel m'inspire et m'aide à régler ce problème consciemment et de façon créative. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, comme je le dis souvent, si vous avez à un moment des pensées ou des paroles négatives, derrière tout de suite, le plus vite possible, vous dites à haute voix, annule, efface, supprime. Vous pouvez le dire aussi dans votre tête, hein, s'il y a du monde, vous verrez bien, mais voilà, pour contrecarrer et que seul le positif et les leçons restent. Parce que bon, c'est quand même important aussi de se décharger de ses émotions quand on fait trop la cocotte minute, ça le fait pas. Sinon, bah, après, ça risque d'éclater. Donc, voyez vraiment ce qui est juste pour vous. Faites un peu de ménage, de tri, définissez bien vos idées, écrivez-les, notez-les, faites un brainstorming s'il faut. Comptez sur le soutien aussi de votre entourage. N'hésitez pas à demander de l'aide aux animaux totems que je vous ai cités, dont je vous mettrai des liens, à la déesse Yémania, à l'archange Uriel. Et puis là, franchement, pour moi, ça devrait le faire. Je trouve que vous avez vraiment un bon jeu. Cet été a l'air plutôt sous de bons auspices. J'avoue, bon, c'est pas tant le plan sentimental qui est ressorti, hein, c'est pour ça que je me suis pas trop attardée dessus. Là, on est quand même plutôt par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à votre travail. Peut-être aussi certains qui avaient des problèmes, justement, peut-être un peu plus, on va dire, matériels, financiers. Mais bon, après, ça n'empêche pas. N'oubliez pas de vous détendre, de vous relaxer. Et puis oui, comme je vous le disais au début, j'ai vu avec mes guides et les vôtres quelle fleur de Bac je pouvais vous conseiller pour cet été. Alors, on a d'abord eu Roc Rose en essence. Alors, la Roc Rose, c'est aussi Hélianthème hein, en français. C'est pour vous aider vraiment à faire preuve d'un grand courage. Ça vous aidera également à vous dépasser. Donc, ça tombe plutôt bien. Hein. Je pense que ça pourrait vous aider plutôt à cette période. Ça peut également vous soutenir émotionnellement contre les peurs et les paniques aiguës. Ceux, par exemple, qui ont souvent des sueurs, des palpitations, une respiration difficile, voire même également de la paralysie. Et ça peut aider ceux également qui font des cauchemars. Par exemple, vous faites toujours le même cauchemar ou c'est toujours le même scénario ou par rapport à un trauma que vous avez eu avant. Et puis la deuxième qu'on a eue, c'est Chicorée. Alors là, qui peut vous aider par rapport à la blessure d'abandon. Hein, si certains travaillent dessus ou justement ont du mal de clore certaines relations ou de faire du tri en tout cas dans leur entourage parce qu'ils ont cette blessure. Là, ça peut vous aider à vous redonner justement une certaine autonomie affective, peut-être à moins souffrir de la solitude aussi pour ceux qui sont seuls, à accepter davantage l'indépendance tout comme les besoins des autres. Ça peut vous permettre aussi de vous protéger contre l'excès de contrôle et de protection de votre entourage. Et puis bon, c'est pas parce qu'il y a peut-être des relations qui sont enfermées qu'il ne faut plus rien donner à tout le monde et se consacrer uniquement à son but. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Donc cette fleur de Bac, elle vous permettra aussi à rester généreux, à être toujours malgré tout dans le don de vous-même et dans l'amour inconditionnel. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas les cancers pour cette guidance d'été. J'espère que ben, ça vous a parlé, que ça vous parlera. Vous pourrez revenir à tout moment dessus, en tout cas pendant l'été. Alors oui, j'avais eu quelques soucis aussi avec les liens YouTube que je mettais en dessous des vidéos. Je ne sais pas pourquoi ils mettaient YouTube dans l'adresse. En fait, au tout début, quand il y a HTTP, il y a deux petits points qui sont les uns contre les autres. Je veillerai à ce que ça ne le fasse pas ou à le remettre. Hein. Mais en fait, il suffit juste de remettre YouTube entre ces deux points et vous arriverez sur la vidéo que vous voulez si tel est le cas. Voilà, donc je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite de très belles réalisations. J'espère que vos vœux vont se réaliser. Et puis, n'oubliez pas hein, d'avoir un certain équilibre. Vous voyez, là, j'avais
certaines pierres aussi qui avaient envie d'être avec vous. Et j'ai un œuf de Yoni ici. Alors, l'œuf de Yoni, bon, bah, désolé messieurs, hein, ça c'est surtout mesdames pour lesquelles vous pourrez donc l'utiliser. Alors, c'est pas tant parce qu'il est en jade en fait qu'il a voulu venir, mais parce que c'est un objet spirituel qui peut vous aider. Hein. Vous pouvez le prendre avec d'autres pierres, hein. Vous pouvez le prendre avec du quartz rose par exemple, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il aide à travailler par rapport au féminin sacré. Et vu tout le côté yang hein, là, que vous avez, tout le masculin qui ressort pendant cet été où on est plutôt, on va dire, dans l'action, je pense que ça pourrait vous aider également à être davantage yin, hein, et à équilibrer un petit peu tout ça. Voilà. Donc, je vous souhaite encore un bel été. Je vous remercie à tous pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos soutiens, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur à tous. Je vous envoie beaucoup d'amour et d'énergie. Et puis, je vous dis à bientôt. Namasté les cancers.